Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Far Cry 6. Évidemment un nouvel épisode d'une heure comme à chaque fois, ça y est c'est la nouvelle recette. Voilà c'est la nouvelle recette et je suis trop content que ça vous plaise. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, une tête de mascotte? Je viens de découvrir ça. Donc là les amis, on est au camp des Maximas. J'espère que vous allez apprécier cet épisode parce que, comme promis, aujourd'hui on va pas avancer dans l'histoire. Aujourd'hui on va faire des missions secondaires, mais très 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 secondaires. Juste pour rappeler quand même, parce que dans les derniers épisodes on a fait des meurtres hein. On a tué l'amiral Benitez, on a tué le docteur du Edgar Reyes, donc celui qui a créé le Viviro, on a tué Maria Marquesa au tout début de l'aventure, on a tué le José Castillo. Donc là limite il nous reste Mackay et il nous reste le dictateur. Donc vraiment, on a fini le jeu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'occuper des missions totalement secondaires. Et j'ai réfléchi, et c'est plutôt cool parce que on a de quoi faire. Alors oui, on a évidemment les chasses au trésor. Mais aujourd'hui, on va pas faire les chasses au trésor. On a aussi les bases des FND. Mais aujourd'hui, on va pas faire les bases des FND. On a beaucoup de choses à faire. Mais on a encore mieux, les gars. On a encore mieux. Nous allons faire... Donc regardez, là c'est les opérations principales donc qui mènent à la fin du jeu. On n'en a qu'une seule, hein, clairement pour le moment. Non, on va s'occuper des histoires de Yara, qui sont les petits trucs secondaires, mais en rapport avec les personnages, avec un petit peu les protagonistes. Donc ça c'est plutôt cool. Alors on va commencer tout de suite par Juan, ça c'est le classique. On va y aller de ce pas, avec ses armes. On va y aller de ce pas, parce que du coup on a quand même pas mal. On a quoi? C'est écrit où d'ailleurs? Arsenal. On a 400 uranium appauvri, donc là on a de quoi faire. On va directement se téléporter. On va même pas y aller en largage aérien, on va y aller comme ça. N'oubliez pas le pouce bleu les amis pour cet épisode qui va être, je pense, assez sympa. Voilà, ça va être chill parce que j'ai vu voilà, qu'il y a pas mal de petites missions secondaires qui peuvent être assez, assez sympas. On va voir, je ne connais pas. Mais voilà, ça va pas faire avancer du tout l'histoire. Mais ça fait avancer la durée de vie par contre du jeu et ça c'est cool. Danny, tu devrais prendre un rencard avec l'établi. Ouais, et ben le rendez-vous est pris. Donc on est parti, donc là 400. Ah oui, non oui c'est bon j'ai rien dit donc. Hop, j'achète. Et il m'en faut encore 100 et ce sera la dernière arme. La Sorpresa. Après, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être rajoutés? C'est une bonne question. Mais nous avons donc de nouvelles armes que nous n'utiliserons jamais. Voilà, disons-le. Non mais c'est vrai, on va pas parler chinois. Du coup, bah, c'est parti. On va commencer avec une première mission donc, de Yara. Là, je vois, regardez, bénédiction de la Triada. Rapporter les reliques de la Triada dans leur grotte. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va pas pouvoir. Parce que j'en ai deux. J'en ai deux sur trois. D'accord, j'étais même pas au courant que j'en avais deux. D'accord, en fait, c'est des trucs que tu trouves sans faire exprès, quoi. Ah oui, bah, oubliez cette mission. Peut-être qu'on va y arriver. Ah ouais, je m'en rappelle, on en a récupéré deux, mais genre, on les a récupérés, voilà, parce qu'on récupère beaucoup de choses en se baladant, quoi, sans le faire exprès. D'accord. D'accord, ok. Bon, donc, laissons tomber cette histoire. C'est pas très... Bah, on peut pas, pour le moment, on peut pas inventer. On va s'occuper... Alors, j'ai envie de commencer par Lorenzo. J'ai envie de commencer par Lorenzo parce que, souvenez-vous, Lorenzo, c'est un petit con. Non, je rigole. Mais Lorenzo, qui fait partie des légendes 67. Et du coup, j'imagine qu'il est à la base là-bas, en effet, les légendes 67. Et forcément, il était pas chaud au début de nous suivre avec la morale. Là, maintenant, évidemment, on s'est tous alliés puisque malheureusement, il y a eu beaucoup de morts. R.I.P. Ron qui est ma femme avec ses beaux abdos, mais du coup elle est morte. Bref, mais maintenant ça y est, il veut présenter ses excuses. Donc on va voir comment ça va se passer. Il est où le frérot? Le rouya? Dis-moi tout. Il est là-haut. Non, parlez à Lorenzo. Bon, on y va. Oui, alors il faut que j'aille sur cette icône-là. Hein. Voilà, il est là, Lorenzo. Oui, attention, parce que là-bas, c'est la fin du jeu, hein, clairement. Viens là. Oui, c'est moi. Quand j'avais ton âge, je vivais chaque instant comme le dernier. Au combat, l'adrénaline est forte et les passions violentes. L'amour pendant la Révolution, c'était comme sur nos champs de bataille. Compliqué, égorgé de rhum. J'ai blessé le cœur de nombreuses femmes qui espérait plus de moi à cette époque. Miguelina,
Ô douce Miguelina, j'ai commis un crime de guerre envers son cœur. C'était ma première. Quand elle disait le mot amour, je fuyais. Je n'étais qu'un lâche. Aujourd'hui, en voyant tout le mal que j'ai fait, je réalise que je dois faire amende honorable. Peux-tu lui apporter cette lettre ? L'esprit de Miguelina est toujours en guerre contre Gabriel Castillo et peut-être un peu contre moi aussi. Je voulais la voir, mais elle a construit des barricades autour de son cœur blessé. Mais si elle lit ma lettre ? C'est génial. Vas-y, bon, on va y aller alors. Ta bonté est le soleil du crépuscule. Il faut aller où là ? À 1000 mètres. On va y aller à pied. Par contre, non, là c'est trop. Là c'est trop. J'ai entendu des. Vous les avez entendus là, les dialogues là en fond là ? Ils ont parlé de Ron Ron. Non, non, arrêtez de remuer le couteau dans la plaie. Hein. Ron Ron est morte et puis voilà, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. On va se prendre un petit. Non, pas un avion. Je voulais prendre un hélicoptère. Voilà, ce sera plus sympa. Voilà, le petit hélicoptère qu'on aime bien. Il est où ? Il est là. Bon, donc on va aller voir. C'est drôle, hein. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes avec les esprits, hein, n'empêche, hein, sur ce jeu. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Ils doivent être très croyants. Allez, on va retrouver Miguelina. Donc normalement, c'est... Oui, c'est une personne morte. On est bien d'accord. Si j'ai bien compris, elle est morte. Bah oui, c'est logique. Non mais c'est... Enfin non, bah, je sais pas. On va voir, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Néanmoins, ça va être drôle. Peut-être. Ou pas, hein. Si ça se trouve, c'est pas drôle du tout. On va voir. Bon, allez, profitons-en. Profitons de ce beau jeu. Magnifique. Alors, on va se poser tout en douceur. Bah là, en fait, il y a de la place là pour se poser tranquille, bilou. Oh, ça passe. Hop, j'atterris dans l'eau. Bon, alors Miguelina n'est pas morte. Bon, voilà, on a la réponse à la question. Miguelina n'est pas morte, hein. elle est vraiment là. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah non, mais attendez, mais c'est formidable. Bon, ok. No pass. Oui, j'aurais dû. D'accord, on aurait dû commencer par là, ça aurait été plus simple. Mais comment je vais faire ? Non mais attendez, il y a des pièges partout. Merde, faut que je fasse gaffe. Ah ! Putain ! Oh, je me suis chié dessus, premier degré. Bon, allez. Allez, fais pas la conne, la Miguelina. Je veux pas des narcos Castillo sur mes terres. Reviens, c'est Lorenzo qui m'envoie. Ok. J'arrive, Miguelina. Oh, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Mais si. Comment on fait ? Waouh. Et bah voilà. Bloquez-vous ! Vite ! Merde, je suis cerné. Attends. Elle est complètement tarée, cette femme là. Reviens. Mais non, mais je. Mais je suis gentil. Mais je suis gentil. Je suis gentil. J'ai survécu jusque là. C'est que je fais ce qu'il faut pour ça. Mais t'es quoi? J'ai une lettre de Lorenzo pour toi. Je suis guerriera. Mais qui es-tu? Je suis une amie de Lorenzo. C'est ton père à toi aussi? Non, écoute, j'ai une lettre de lui. Une lettre ? Pourquoi tu ne l'as pas dit ? Je l'ai dit. Oh putain ! Lorenzo m'envoie ses excuses. À moi ?
Mon cœur, je le sens battre à nouveau. Je m'envole sur les ailes d'un papillon. Super. Bon, je vais m'en aller. Je lis. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Et ben voilà, c'est fait. N'importe quoi. Non mais voilà, c'est, je vous dis, cet épisode, ça va être que ça en fait. Hein. C'est du délire. Bon bah, il faut retourner voir Lorenzo. Lorenzo. Putain. Pas vrai. T'aurais pu me prévenir pour ces putains de pièges. Yasmio, elle va bien? Moi ça va, merci de demander. Miguelina aussi. Elle est juste bloquée dans le passé, comme la plupart des légendes. J'espère que mes excuses lui permettront de tourner la page. Tu peux revenir, Dani? J'ai un autre service à te demander. Ok, Lorenzo. Non, par contre, abuse pas, frérot. Abuse pas, frérot. L'autre, il me demande 32 services. À un moment donné, ça va la comédie. Bah écoutez, on va retourner voir Lorenzo. Et regardez, on y va en cheval direct. Et on se téléporte pas. On profite à donf. On profite à donf. C'est pas un cheval, c'est un zèbre. C'est bien, bon cheval. Enfin non, du coup, c'est un cheval. Bah oui, je suis con. Attends. Je peux pas. Ok, d'accord. Je vais aller me faire foutre. Et puis, je vais aller me téléporter, tout simplement. Comme tout le monde, voilà. Bon, bref, eh ben, qu'est-ce que vous en avez pensé, là, les amis, de cette première mission pour commencer, pour nous mettre en jambe? Non, mais attendez, hey, insane. Insane. Et ça, à mon avis, c'est que le début, parce que, bon, qu'est-ce qu'il va nous dire encore, Lorenzo, là? Qu'est-ce qu'il nous veut encore? Non, mais sans déconner, c'est trop, là. C'est trop, venez, on fait la révolution. Non, je sais pas. C'est vraiment, là, c'est vraiment plus que secondaire. Hein. Allez, on remonte. Voyons voir qu'est-ce qu'il a à nous demander encore. Il va nous demander trois fois, je pense, des trucs. Je suis dans une situation. Je vois ta tristesse. L'esprit d'El Tigré vit toujours en toi. Avec l'âge, El Tigré est devenu plus sage. Il voulait que j'affronte mes erreurs. À présent, je dois le faire. J'ignore si tu le sais, Dani, mais notre révolution a été un bain de sang. Yara a tant souffert. Tant de magnifiques femmes se sont retrouvées veuves, isolées, prêtes à tout pour ressentir autre chose que du désespoir. Je suis responsable d'innombrables enfants de la victoire. Je les ai conçus, mais je n'ai jamais été père. Au lieu d'assumer, je me suis jeté dans les bras d'autres femmes. Pendant des décennies, des centaines de mères m'ont écrit. Elles m'envoyaient des photos de mes enfants. J'ai nié ma responsabilité cachée dans cette montagne. Mais nul ne peut se cacher éternellement. La culpabilité d'être un mauvais père pèse sur mon cœur. J'ai trop honte pour les voir, et j'ai un peu peur de leur réaction. C'est pourquoi j'ai rédigé ces lettres. Juste quelques-unes pour commencer. Tu veux bien les livrer pour moi? Quoi? Je vais t'envoyer des photos de mes enfants. Mais t'as combien celles d'enfants? Celles que les mères m'ont transmises. Non mais c'est trop là, mais t'as des centaines d'enfants. Que le vent te protège et t'aide à guérir les cœurs. Mais t'as des centaines d'enfants, t'es un taré malade. Je m'interroge seulement sur ce que nous sommes. Ah, 7. C'est bon, il y en a 7. Parlez aux enfants de Lorenzo. C'est trop. C'est trop, tu exagères. Non mais là c'est abusé. Puis comment on va les trouver? Bon, tu m'envoies les photos quand tu veux, beau gosse. Hein. J'ai pas ton temps là. Il m'envoie pas de photos là? Envoie-moi les photos, bordel! Oh non, mais ça par contre, ça c'est le genre de mission. Ça va aller 2 minutes. Et ça va être terrible. Non, mais attendez, parce que là en fait, concrètement, je vais pas me promener jusqu'à ce que je reçoive. Dani! Qu'est-ce qu'il y a, Lorenzo? Pour les photos, quelqu'un m'a aidé. Je peux t'envoyer des photos de mes enfants sur ton téléphone? En utilisant mon téléphone. J'avais compris. Merci. De nos jours, la technologie fait des choses merveilleuses. Quand j'avais ton âge et que je prenais une photo, il fallait développer le négatif avant d'en faire un tirage. Ça aurait pris au moins une semaine. Qui attendrait une semaine pour voir une photo aujourd'hui? Je sais. Je dois y aller. Et vos téléphones, là? Pourquoi s'appellent-ils ainsi? Ce sont des ordinateurs de poche, en fait. Si quelqu'un avait eu ça en 1967, il aurait pu contrôler le monde ou le détruire. Imagine un peu. Ouais, c'est à peine croyable. Bon, j'ai un jaguar à tuer, moi. Dani, je te parie que dans 50 ans, tu pourras tuer un jaguar avec un ordinateur de poche. Moi, je ne serai plus là. Je peux seulement l'imaginer. Enfin, c'est la vie. Bonne chance.
Ouais, vraiment, il est ultra lourd. Il est ultra lourd. Et en plus de ça, ces photos ne m'aident pas. Oui, d'accord, c'est bon, je connais la map. Mais vous croyez vraiment que... Vous croyez vraiment qu'on peut reconnaître... Non, mais attendez, ça c'est le... Voilà, ça c'est le genre de mission que tu peux faire que... si tu passes devant, tu vois, genre quand tu te promènes, etc. Donc, genre quand tu fais une autre mission. Donc, voilà, c'est... Allez, encore une mission qu'on met en stand-by. Oh là là, mais c'est chiant. C'est dommage. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, laissons tomber ça. Hop, on arrête de suivre ça. C'est dommage. Mais voilà, si maintenant on trouve un endroit qui ressemble, eh ben, on pourra continuer. Mais bon, c'est pas du tout... Alors, tout à perdre. Aider les fermiers de la vallée de Fernando. Vous savez quoi, on va lire avant d'y aller parce que à tous les coups c'est encore un truc qu'on peut pas faire. Les fermiers de la vallée de Fernando sont du côté de Libertad pour l'instant, mais ils ont été ignorés trop longtemps. La pression monte et ils ne doivent pas en faire les frais. Ok, bah on va faire un peu d'agriculture, c'est Farming Simulator ou quoi là? Allez, on y va, c'est par ici. Et bah parfait. On va faire un petit peu de Farming Simulator les amis, voilà. Je pense hein, je pense. Si vraiment cette mission est relou, ou même quand on termine la mission, si j'ai un mauvais goût, on ira faire une base des FND ou une chasse au trésor, les amis. Voilà. Parce que ça veut dire vraiment que ces missions secondaires, c'est éclaté au sol. Hein. En vrai, on va pas se mentir. On va voir. On va voir. On va voir. Ne parlons pas trop vite. Alors, elle est là-bas, ma sœur. Petra. Petrouchka. Glissade. Très bien. Glissade. Merci. Voilà, regardez, un tracteur, c'est Farming Simulator. Vana ou Nana, les droits d'auteur. Les droits d'auteur. S'il te plaît, arrête, c'est chiant. Non mais c'est vrai. Les droits d'auteur, les gars, sur cette série. Mais c'est un calvaire. Franchement, quoi. C'est un calvaire, vous ne savez pas tout ce qui se passe sur mon YouTube studio. Mais je peux te dire que YouTube, il est pas content. Hein. Et Camila Cabello non plus. Hein. Enfin, Camello Cabila. Je suis trompé. Non, Camila Cabello, je sais plus c'est quoi son vrai nom. C'est nous. J'en ai marre de convaincre les fermiers du coin d'aider Libertad. Les guerriers roses ne font rien pour nous, à part nous mettre en danger. C'est bon, je vous aide là, c'est bon, je vous aide. Les fermiers sont heureux, moi aussi, et on aidera encore Libertad. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? On va les rendre heureux, on leur fait une pipe? Ça se passe comment, dis-moi? Aider les fermiers, ouais, bah c'est ça. Non, arrête, Camila Cabello. Vana ou Nana? My heart is dead, 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 dead. Oh, je suis insupportable aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez, il y a un point d'exclamation. Et moi, j'adore ça. Ah, trop bien. Mais je vous ai dit, mon cousin... Oui, j'ai bien entendu la première fois. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai du mal à croire que votre cousin travaille au bureau des enregistrements et qu'il vous a dit que ça passerait. Mais c'est la vérité. J'aime trop écouter les conversations. J'aime trop écouter les conversations, pas vous? Mi héroïne. Pas toi. Mais arrêtez avec Camilo Cabella, là, c'est chiant. Bah voilà, c'est bon, je vous ai aidé, vous êtes content. Voilà, formidable. Chaque jour où je survis est un jour béni. Exactement, mais c'est normal, je suis un peu Jesus. Je suis Jesus. Allez, faisons notre bonne action là, ils sont où les fermiers? Bonjour, je rentre comme si j'étais chez moi. Senor Ares, je suis navré d'apprendre que les soldats menacent des membres de votre famille, je suis moi-même au bout du rouleau. Je vous en prie, tenez bon et je vous promets que je me débrouillerai pour vous transmettre ma réponse. Signé Petra. C'est pas une danseuse dans Danser avec les Stars ou une juge, non? Je sais plus. Voilà, des clés, très bien, formidable. Je vole, mais je suis en train de voler chez quelqu'un des clés, là. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Dites-moi. Octobre. Ah, bah on est au mois de novembre. Ah bah voilà, il faut que j'aille là. J'ai volé vos clés, j'espère que ça vous dérange pas. Bonjour. Viens là. Petra dit que t'as besoin d'aide. Ouais, c'est mon coq de combat. El Gallo Magnifico. C'est dangereux pour lui de rester ici. Les soldats menacent de le tuer. Va dans mon abri et emporte-le. Trouve-lui un foyer. C'est tout? Cogno, c'est bien toi. Wow, hola. Désolé. Hello. Donc là, il faut que je prenne une poule. Ok. Non, un coq, pardon. Señor Otoka, j'ai aidé les habitants de la ferme à Ressé. Ça va mieux depuis qu'ils savent que leur coq va changer de propriétaire. Alors c'était ça leur problème? Pour certains, le moindre petit truc et c'est la fin du monde. Eh ben, c'est comme ça. Ouais, on n'y peut rien.
On est bien d'accord. Ah, elle m'a vu. Elle est pas contente. Eh, c'est bien fait, hein, elle me guette, hein. Si je sors mon arme, elle me guette ou pas? Hein? T'as rien vu venir, salope? Allez, ça va, ma soeur? Non, mais tranquille. Vas-y, une pipe. Non, c'est bon, je rigole. Arrête, après, j'aurai des problèmes. Non. C'était une blague, hein, les gars. Non, vraiment. Je suis pas du tout... Non, mais attendez, parce que c'est bon, on les connaît, les problèmes. Hein. Dès que tu dis un truc et tout, c'est sorti entre... Non, c'est bon. Allez, direction 100 mètres. On va suivre... Ah, il y a des soldats apparemment. Ah, c'est la merde. Oh là, monsieur se défoule. En otage. Oh non. Pitié, laissez-moi. Je vois que cette ferme est infestée d'ordures. Pourquoi t'aides les terroristes? Réponds-moi, j'ai jamais aidé Libertad. Parce que Libertad, c'est génial. Hop. Tu maltraites pas les... Tu maltraites pas, d'accord? Aucun problème. Non mais... Je t'en voudrais ça. Ce fils de pute a trouvé l'hôpital de campagne de Libertad. Il est planqué dans ma maison. Il l'a signalé? Non, je crois pas. T'as besoin d'autre chose? Moi? Non. J'ai des médicaments si t'as besoin. Tu m'as sauvé. Et comme j'ai dit à Petra, je vous aiderai tant que les guerrieros tueront des soldats. J'ai plus qu'à me débarrasser de son corps maintenant. Exactement. C'est bien. Señora Toca, j'ai sauvé Duarte et éliminé un soldat un peu trop curieux qui l'embêtait. Est-ce qu'ils ont trouvé la clinique secrète de vos guerrieros? Non. Oh, tant mieux. S'ils la découvrent un jour, ils viendront tous nous arrêter. Elle a la même voix que Clara, par contre, c'est un peu perturbant, je vais pas vous mentir. Fou! Il me faut des infos sur le bureau que le Yankee possède. Très bien. Rien à foutre. Allez, on continue. Dites-vous que là, je suis censé transporter... Ouais, de l'orage. Dites-vous que j'ai une caisse avec un coq à l'intérieur, là, sur moi, normalement. En toute logique, hein. Voilà, je tenais juste à vous le rappeler. Parce que j'ai l'air d'être assez aisé, malgré la caisse que je tiens. Voyons voir, bonsoir... Je devrais appeler la Señora Toca. Oh merde. Oh merde. Señora Toca, j'ai une mauvaise nouvelle. Les soldats ont exécuté tout le monde à la ferme Inorosa. Qui ça? Un couple âgé et deux guerrieros. Sûrement leur fils. Merde. Les deux garçons se vantaient constamment d'appartenir à la guérilla. Ils ont trop parlé, ça a coûté la vie à toute leur famille. Je dois faire quoi maintenant? Rien. Si, je vais le buter. C'est pas la première famille que les soldats exécutent. Tu peux me croire. Voilà. Voilà, pas besoin d'envoyer quelqu'un. Enfin si, pour le corps, mais Mon chien. Il y a des méchants partout. Je voulais récupérer une caisse, moi, à la base. Attendez. J'aimerais récupérer l'intérieur. Comment on rentre? Ah oui, ça a été vraiment... Oh, et puis ça mitraille, hein. Comment on rentre? Bah, je sais pas. Bon, je vais les laisser tranquilles, là. On va aller à la dernière ferme, là. Oh, mon Dieu. Il se passe trop de choses sur ce jeu. Il se passe trop de choses. Oh, venez, je prends le jet ski, non? Ah ouais, venez, on s'amuse, je prends le jet ski pour remonter le fleuve. Enfin, le fleuve, le cours d'eau, là. Allez. Bam, 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 c'est parti. Ah bah oui, ça ira bien plus vite. Ouais. Par contre, là, il y a plein de crocodiles, normalement, hein, faut faire gaffe. Ouais, c'est magnifique. Hop là. Ça, c'est une entrée en scène, hein. Une entrée en scène digne de Hollywood. Salut, mon frère. Viens là, allez. Bah oui, je suis pas ton chien, en fait. Tout ce qui est électrique est dangereux pour moi. Est-ce que tu veux bien débrancher ces fils? Oui, je vais t'aider. Tu m'aides avec ça, et j'aiderai Libertad. Ah bah, c'est un marché qui tourne. Aïe. Ah oui, non mais d'accord. Bah oui, mais comment on fait? Comment on fait, en fait? Je dois couper l'eau, puis débrancher le câble. Ah bah oui, je suis trop con, moi je vais dans l'eau tout de suite. Non mais je suis vraiment, mais... Eh, appelez-moi Claude François. Appelez-moi Claude François, comment on coupe l'eau? Comment on coupe l'eau, là, ma parole?
Attends, il faut déjà comprendre d'où vient l'eau. L'eau, elle vient de là. Il faut couper l'eau. Non, mais attendez, c'est bon, regardez bien. Juste, c'est le festival de Cannes, là. Il se passe quoi? C'est un peu la fête à la saucisse. Bon, moi, j'ai d'autres problèmes plus importants. Il faut couper l'eau. Non mais là je comprends rien, je suis un connard. Je dois couper l'eau. Mais elle est là l'eau. Oh mais je suis trop con. L'eau elle vient de là non? Attendez. Mais non pas du tout. Je comprends pas. Tu peux pas m'aider surtout hein. Je comprends pas, je suis... Attendez, je suis débile. En fait, je suis un sacrément débile. Je suis complètement con. Je suis vraiment le pire, en fait. Parfait. Voilà. C'est logique. Bon, et ben maintenant... Bah, l'eau ne coule plus. Mais il y a toujours de l'eau. C'est logique. L'eau ne coule plus, mais il y a toujours de l'eau. Ils ont fini de faire la guerre à côté. Non mais panique pas. Et attendez. Non. Et ben voilà. Bon Travail, Libertad. Merci. Merci. Ça me touche vraiment beaucoup. Ouais. Bah moi aussi ça m'a touché l'électricité à vrai dire. Señora Toca, j'ai aidé Madame Rivera avec son système électrique. Alors, ça lui convient? On dirait bien. Est-ce qu'elle avait besoin d'autre chose? Non. Elle n'a fait que me remercier. Ça lui ressemble bien. Merde. Bon, puisque c'était facile, passe donc à ma ferme. J'aurais bien besoin d'un coup de main. Ça ne prendra que 5 minutes. D'accord, señora Toca. Eh hey, mais là-bas, la guerre, on l'arrête plus, hein. Je sais que tu manques de bras et que tu stresses. Moi aussi. Je fais de mon mieux ici. Je te promets, la prochaine fois, tu peux rester pour discuter au lieu de déposer une lettre. Bah justement, on va aller la retrouver, Petra. Parce que Petra, elle est dans le pétrin. Bon, ils me font de la peine là-bas, là. Je vais peut-être abréger leur souffrance, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Voilà. Attendez, on va juste y aller parce que moi, vraiment, je n'aime pas voir les gens souffrir. Donc. Alors, attendez. Par là, par là. Alors. Ça va, fils de... Pardon, je suis vulgaire. Je suis tellement vulgaire. Non mais à un moment donné, on en a vu des vertes et des pas mûres, hein, donc je me permets de dire des folies. Parler aux enfants de Lorenzo. Non, 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 non. Cette mission, on a dit on la fait pas. Tu arrêtes de me la mettre en principale, ça commence à bien faire. Moi, je retourne voir Petra. À la base, moi, je suis avec Petra, là. Donc on va aller retourner voir Petra, qui est d'ailleurs juste derrière moi. Parfait. Et puis, puis après, on verra pour se faire peut-être une petite base de FND, pourquoi pas. Puis une petite chasse au trésor, voilà, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. En fait, j'allais dire, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas, mais dans tous les cas, en vrai, dans 4-5 épisodes, il n'y a plus de série, en fait. Je crois qu'on a terminé dans 4-5 épisodes, c'est d'une évidence, donc ça change pas grand-chose. Ma fille et son crétin de chéri ont été arrêtés. Un de mes fermiers était avec eux. Il dit qu'un nouveau sergent vient ici pour me poser des questions. Dès qu'un nouveau crétin est affecté ici, il essaie d'être encore plus violent que le précédent. Cache-toi dans mon faux plafond et regarde les fanfaronner. Que de la gueule. Ils me menaceront, mais je pense pouvoir leur faire dire où ils gardent Gloria. Si tu m'entends dire le mot « banane », c'est que j'aurai l'information. Après, tu pourras tuer toutes ces merdes. C'est trop bien! Ah non, alors cette mission elle est trop bien! Vas-y! Va te cacher dans le faux plafond! Bah oui, mais. Bah. Oui, le temps est compté. Et comment Allez, je monte? Cache-toi dans le faux plafond! J'ai trouvé. C'est là? Oh, ils arrivent. Bon, c'est bon, je suis caché. Mais c'est pas un faux plafond ça, hein. T'appelles ça un faux plafond toi? Bon, allez. Restons cachés. Ça va être drôle. Donc dès qu'elle dit banane, c'est bon. Ça va être trop stylé.
Restez dehors. Personne ne doit nous interrompre. Ah, le danger vient de l'intérieur, messieurs, dames. Mon officier. Fouillez la chambre. Ton grade te protégera pas. Hola, je suis le sergent Savonne. On m'a chargé de nettoyer cette ville. Ah, comme ton prédécesseur, je vous souhaite bien du courage. Grâce à mes différentes informations, dont une source des plus fiables, on m'a dit que vous connaissiez bien Libertad. La seule chose que je sais sur les guerriers roses, c'est qu'ils me causent plus d'ennuis que vous, les soldats. Ça, j'en ai aucun doute. Chaque fois qu'ils entrent sur mes terres, j'en informe l'armée. Arrêtez vos conneries. Je sais que votre fille collabore avec les guerriers roses. Je viens de l'arrêter avec son petit copain de chez Libertad. Quoi ? Gloria ? Impossible. Où est-elle ? Elle est encore ici, à Fernando. Elle a trahi Yara. Tout comme vous. C'est dans cette commune. Mais... J'ai pas le temps de jouer les traîtresses. J'aimerais savoir si vous avez vu de nouveaux guerriers roses passer par ici récemment. Le prénom Dani, ça vous dit quelque chose ? Oh. Non, ça me dit rien. Où sont les caches des guerriers roses ? Des caches ? Aucune idée. Je veux voir ma fille. Où est-elle ? En sécurité. Pour l'instant. Ok, très bien. Combien vous voulez ? Je suis incorruptible. Dites-moi où est l'hôpital de campagne des guerrieros. J'en sais rien. Où est Gloria ? Je vous paierai après l'avoir vue. Señora Toca, Gloria est dans une ferme près d'ici. Yes. Elle doit la quitter aujourd'hui. Dites la vérité et elle n'en partira pas les pieds devant. C'est une ferme. Vous êtes tous pareils, les paysans. Vous me mentez sans arrêt. Non, je mens pas. J'ai parlé à l'un d'eux aujourd'hui. Il n'était pas très coopératif. Alors on a joué à la roulette russe. Oh, Dios mio, je ne suis pas une traîtresse. La dernière chose qu'il m'a dit, c'est... Toca travaille avec Libertad. Alors je l'ai buté. C'est complètement faux. Il aura tenu qu'une manche. Bref, on réessaie. Que savez-vous au sujet de Libertad ? Il a menti. Qui était-ce ? Non, je suis au courant de rien. Non. Je lui ai confisqué sa ferme au nom d'Yara. Seigneur Juan Torena préfère Libertad à sa patrie. Juan Torena. Soyez plus intelligente que lui. Dites-moi ce que vous savez au sujet de Libertad. Il mentait. Ce type a une banane à la place du c'est cerveau. Bon. C'est bon. Il a dit banane. Elle a dit banane. Señora Toca, vous allez mourir, puis ce sera au... Cache-toi. Voilà, bien joué ma sœur. Bien joué. C'est pas fini. Voilà. Bon, t'auras un petit souvenir sur ta chaise, j'espère que ça te dérange pas. Allez, on y va. Vite. Je vais m'en sortir. Ok, ça marche. Eh ben, on va vite sauver Gloria. Je me dépêche, je compte sur moi. Enfin, compte sur moi. Allez, glissade. On se dépêche. Putain, elle était trop bien cette mission. Merde. Par contre. Elle était vraiment superbe. Allez, go. Go, direction sauver Gloria. Alors, je vous vois venir. Parce que je vous connais, parce que vous avez raison. À un moment donné, quand même, j'étais quand même bien cramé en haut. Enfin, hein, je veux dire, si on te voit pas. Mais bon, les gars, dites-vous que bah, dans la vraie vie, tu pourrais te coucher. Moi, j'ai fait des mouvements, mais si tu bouges pas, bah, on te voit pas forcément. Enfin, voilà. Ça reste quand même un jeu, tu peux pas te coucher. Mais voilà, mais imaginez. Mais c'est rigolo. Et franchement, elle était super bien cette mission. J'espère que là elle sera tout autant et j'espère qu'on va pouvoir sauver Gloria surtout. Ah. Alors. Bon déjà il y a... Salut. Bon j'ai le droit d'être là. Ah non. Je vois un médecin. Ok, ils sont en train de tirer. Comment ça ? Que ? Ok. Bon. Il faut que je rentre par derrière. Bon, déjà, ils ont pas l'air d'être violents. Chut, chut. On va passer par derrière. Parce que le problème, c'est que si on passe par devant, le temps que tout le monde soit alerté, bah après, l'autre à l'intérieur, on sait pas ce qu'il pourrait faire. Vous voyez ce que je veux dire ?
histoire d'être un petit peu RP. Vaut mieux commencer par le danger principal. Voilà, tu vois. Là, il pourra rien faire. Tu vois ? Voilà, là, il n'y a plus de danger. Voilà. Chut. Arrête de gueuler, là, putain, t'es conne. Oh, t'es magnifique. Merci. Pardon. Tu m'as sauvé. Eh, t'es trop mignonne, par contre. Genre, viens, je t'ai sauvé. Genre, viens, tu me remercies. Bah venez regardez, on va faire un truc très sympa. Ouais mais là si je casse je suis cramé. J'aimerais bien les assassiner. Ça aurait été stylé. Ah bah voilà c'est bon. Oh dommage. C'est moi. Regarde c'est moi. Voilà. Simple, efficace, basique. Ça va ma sœur ? Allez une petite pipe avant d'aller dormir. Rentre chez toi, ta mère s'inquiète pour toi. Oui, c'est promis. Voilà, bah c'est bien. C'est parfait, c'est formidable. Des témoins confirment que des fermiers collaborent avec les guerrios. Bah ça on l'aura compris évidemment hein. Allez cours, je viens avec toi. Je te suivrai. Je te suivrai jusqu'au bout. Allô ? Je voulais te remercier d'avoir sauvé ma fille. Pas besoin, Señora Toca. Désormais, mes fermiers et moi viendrons en aide à Libertad. Je te le promets. Gracias. Et nous avons un cadeau pour toi. Passe à la ferme quand tu le pourras. Oh, c'est trop gentil, un cadeau. Bah, c'est elle, mon cadeau. Non, c'est bon, là, les gars, arrêtez, c'est bon. Non, mais je me... C'est bon, allez. Bon, du coup, où c'est que je fais pour aller à la ferme? Ah, bah, je crois que la mission n'a pas encore été apparue. Eh bien voilà. Ça c'est des missions qu'on avait déjà dès le début de l'aventure, je m'en souviens. Mouche du coche, c'était un des tout premiers trucs. Améliore ton bolide et je te filerai. Bon on est d'accord, en vrai c'est vraiment des missions qui se font en fait, qui se font pas d'office. Enfin sauf là celle qu'on vient de faire, donc ça c'est cool. Mais c'est vraiment des missions où genre tu passes à côté d'un endroit et tu fais oh, c'est pas par ici que nanani nanana. Et voilà quoi. Oh non elle a... Non ma chérie. Elle a disparu. Bon, bah ma foi. Eh bah écoutez les amis, on va se faire une... Y'a quoi au plus proche? Une base d'FND ou une chasse au trésor? Eh bah c'est des chasses au trésor. Voilà, il y en a une ici. Joyeux anniversaire et relique de Mimo. Et venez, on fait joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. Direction la chasse au trésor. On va y aller en largage aérien. Et ce sera plutôt pas mal, voilà. C'est peut-être plus intéressant les chasses au trésor, en vrai. J'attends de voir aussi vos commentaires, ce que vous en pensez. Mais... Très sincèrement, je pense qu'on va peut-être pas approfondir ce genre de mission là, les histoires de Yara en vrai, excusez-moi. Mais... Voilà. Vaut mieux faire des chasses au trésor ou les bases des FND, c'est quelque chose de plus concret. Voilà, disons-le, c'est quand même plus concret. Mais on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. C'est par ici. Ah, c'est pas la porte à côté non plus. Hein. C'est pas la porte à côté. C'est magnifique. Et ça, ça fait plaisir. Allez, on y va. C'est l'instant où vous pouvez lâcher votre petit like si c'est pas encore fait, vraiment. Surtout, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Regardez, je fais des petits battements d'ailes gauche-droite, un petit peu comme les avions de chasse lors de leurs interceptions de Airbus A380, notamment. Et toi. Eh bien, nous sommes arrivés. Joyeux anniversaire. D'ailleurs, si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, eh bien, profitez bien. Et puis, si c'est demain, eh ben... J'espère que vous profiterez bien aussi. Puis si c'était hier, j'espère que vous avez bien profité. Ils font leur sport. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Salut le chien. Des soldats bien entraînés. Voilà. Non, mais il n'y a pas le temps pour les conneries, en fait. Ah, c'est tout, voilà. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y a? T'es inquiet? Tu veux la même chose? Cette ordure s'en tirera. Si, je m'en tire. Voilà. Qu'est-ce qu'il en reste? Eh ben il en reste pas grand chose hein. Bon ben voilà. Non mais je suis pas cruel, on avait dit. On avait dit que je suis pas cruel. Et en plus j'ai récupéré une munition de lance-roquette. Tu déconnes. Ah ouais, ça doit être un de mes accessoires que je porte. Qui me permet ce truc. Bonsoir. Putain, c'est sympa par ici là, on est où là? Entrepôt Torres.
Salut Torres. Ça va? Salut, je te connais toi. C'est normal, je suis une star. 40 000 abonnés sur YouTube frérot, c'est normal. Bah écoute. Et bah voilà. Je suis rentré du marché et papa avait disparu. Les soldats ont emmené maman aussi, je ne sais pas pourquoi. Moi j'ai ma petite idée. Tata Kata dit qu'on devrait quand même fêter mes 15 ans, parce qu'ils se sont démenés pour tout organiser mais je n'ai pas le cœur à faire la fête. Au diable cet anniversaire, je laisse mon cadeau à qui en voudra. Je vais retrouver mes parents. C'est trop mignon. Merde. Ces soldats ont frappé pile pour son anniversaire. Ça c'est pas cool. Je me demande ce que ses parents avaient prévu. Donc là, on va aller... On va récupérer le cadeau qui ne nous est même pas destiné, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement con cette mission. C'est rigolo, j'aime beaucoup. Vous savez que tout ce qui est con, moi, ça m'attire. Waouh, bon anniversaire. Mi Corazon, ça nous a coûté cher en pot de vin pour obtenir cet entrepôt pour la quincenara de Mia, donc les 15 ans. Alors tâchons de rendre ce jour inoubliable. Ouais, bah ça, il l'aura pas oublié. Hein. Elle l'aura pas oublié. Évidemment, il va falloir de la musique. Mais on devrait aussi brancher la machine à fumer, la machine à bulles et les néons au sol. Et les projecteurs, c'est essentiel. Imagine toutes ces lumières braquées sur notre Mia, elle va adorer, c'est sûr. Ouais, je pense qu'elle aura adoré, ouais. Oh, c'est super beau. Non, là, les copyrights. Mais quelle idée de mettre des musiques comme ça. Oh, une licorne. Ils ont fait un cheval licorne, mais c'est les pires. C'est les pires, c'est elle Mia. Putain, elle a pas 15 ans, là. The Carrie, t'es où? Aïe! Ah, mais d'accord. Putain, mais décidément, moi, je vais... Eh, c'est électrique, hein, cet épisode. Hein. Cet épisode est électrique. Allez. Ça manque sûrement d'électricité. Oh non! Bah, c'est bon. Il y a un interrupteur dans les parages. Eh oh, il y a de l'électricité. Ah bah, il est là-bas, l'électricité. Oh, tu déconnes. Bon, ça commence à bien faire, hein. Ça commence à bien faire ces conneries là. Ah regardez, je suis trop un boss. Voilà. Et je pense que par là. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis un crack. Oh. Ah mais en fait on aurait pu passer par là. J'ai fait du parcours. Ah bah non mais voilà. Eh je suis. Eh les gars. Mais sucez-moi. Voilà, c'est fait. Bah c'est fait non. Attendez, on peut passer par là aussi. Oh mais on avait différentes façons. Eh, on avait différentes façons de trouver cet accès. Non mais c'est génial. Non mais eh. Ah ouais. C'est incroyable. Bon bah voilà. Ouah, des bulles. Y'a des bulles. Formidable. Ça manque de jus, Calajo. Je dois trouver un autre interrupteur. Ok, il en faut 4. Ça y est, j'ai compris. Ouah mais 2 de QI le mec. Ok, il me faut 4 interrupteurs. Donc là on en a fait 1. Attendez, je vais remonter du coup. Parce que c'était quand même le moyen le plus simple et le plus rapide. Hop. Je pense que, bah, il faut que je retourne là de toute façon. Donc là on y est allé, c'est bon. Par ici voyons. C'est un martre ça. D'accord. Je pense que je peux faire quelque chose là, non? Ah bah voilà. Et de deux. On sait où est le troisième. Mais on sait pas où est le quatrième. Parce que le troisième, il est... Il est en bas, là. D'ailleurs... comment je fais? Ouais, j'ai le vertige, là. Je me sens pas bien. Comment je fais? Oh. Ouais, on en a deux. Formidable. Vous croyez que... C'est vraiment bien les chasses au trésor, j'aime beaucoup. Mais je suis trop con. Il suffisait de passer par là en fait. Mais bien sûr. Mais voilà, il suffit de... Mais voilà. Attends, je suis bloqué. Non, c'est bon. Attendez, je peux monter par là? C'est sûrement fermé de l'intérieur. Oh. Ok. Hop. Voilà, c'est tout. C'est réglé, c'est carré. Ah bah voilà. Eh, bah alors. Non, les copyrights, s'il vous plaît. Là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Il faut plus de courant. Ok, il faut monter. Sors. Il faut que je monte. Et regardez comment ça va se passer. Ça va aller très très vite. Parce que j'ai vraiment un QI formidable.
Est-ce que vous croyez que je vais me faire foutre? Il faut que je monte par là, c'est bon. Hop! Oh là là! T'es mal et Bibi! T'es mal et Bibi, pas par là. Bah j'ai bien l'air con là quand même. Mais il faut monter, c'est évident. C'est quoi ça? Toutes les livraisons doivent être effectuées par la porte arrière. Ouais ouais. Là il y a la licorne. Non mais il faut que je monte. Il faut que je monte. Ok, bah alors manifestement c'est pas par là. Par contre la musique ça va être terrible. Bon de toute façon je suis déjà démonétisé alors. Waouh, mais si c'est elle. Eh, elle est mignonne hein. Elle est carrément mignonne hein. Bon elle a 15 ans quoi hein. Mais écoutez, je repasse par là. Je repasse par là. Il faut que j'aille là. Bien sûr. Ça, ça a été activé. Donc là, bien sûr, je remonte. Voilà. Très bien. Merde. Il faudrait... Ah, voilà. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, les gars. Je suis un... Hey. Je suis un putain de boss. Je suis un putain de boss. Allez. Caliente, caliente. Et là, je pense que nous aurons le dernier... Qui doit être ici. Bam bam bam. On va voir à quoi sert ce truc. On sait très bien à quoi ça sert. Oh, ça doit être la fête là, la saucisse. Ah mince. Là c'est 100% la fête à la saucisse. C'est parti, joyeux anniversaire. Waouh. Oh là là, mais là t'es mort avec ces feux d'artifice. Oh waouh. Waouh. Beau butin. C'est toujours bien d'avoir le soutien du peuple. Ah mais c'était ça la surprise. En fait on a débloqué le cheval. C'est trop bien. Let's go. Let's go. T'es à moi mon frère. Ou ma soeur. J'ai une licorne. On en est sincèrement là. On a sincèrement une licorne. Hop dans ta gueule. Regarde, je t'écrase. Bah il est mort en fait. Non, il est pas mort. Ça va? Je suis désolé. Hein. Oh merde. Oh merde. J'ai une licorne. Tu vas faire quoi? Paf. Eh. Tu vas faire quoi? Eh, franchement, avec la licorne, je vais tout défoncer. Hein. Je te le dis. Je te le dis, moi, je fonce dans le tas. En fait, c'est un bélier. C'est pas un... Ouais, c'est un bélier, en fait. En plus, il va super vite. Putain, mais c'est génial. Attendez. C'est pas fini. C'est pas fini. Regardez, on va foncer dans la voiture. Licorne! Ah merde! Ça va? Ah! Mais vous inquiétez pas, non, non, vraiment. Vraiment, 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 non, non. Vous inquiétez pas, il va bien. Bah venez les gars, on enchaîne avec cette petite chasse au trésor. Même MacGlay Global a fui cet endroit. Est-ce que ça pourrait être lié aux reliques de la triada que je recherche? Oh. Plus dur sur la chute. Les soldats du régime ont forcé les ouvriers à stocker leur matériel militaire. Oh non, venez, on fait ça. J'ai envie de faire ça plutôt que ça. Pour être très honnête avec vous. Ça peut être plutôt sympa. Par contre, bah du coup j'ai plus de cheval. Ce qui est complètement con. Ouais, je suis désolé pour cette scène de torture. Hein. Non, c'est vrai, c'est pas cool. Attendez, il y a un cheval là-haut. On va le prendre. Excusez-moi. J'aurais aimé prendre votre cheval. Merci. Bonne soirée. Allez, salut. Yalle. À la one again. Ce jeu est vraiment d'art. Ah, attendez, il y a un otage. Yalla. Il y a plus d'otage. C'est fini. Ça va mon frère? Une bonne action. Je sais, merci. Aucun problème. Ah par contre tout le monde fait demi-tour. Hop, je me casse. je n'y suis pour rien. Franchement aujourd'hui j'aurais fait des moves de folie par contre. Eh, on va pas se le cacher. C'est peut-être pas le meilleur épisode. Mais on a fait des moves de folie. Ces guerriers ont besoin d'un coup de main. Ah. Oh.
une embuscade. Allez, on va faire l'embuscade. Oh, ils sont beaucoup là un peu quand même. La caisse est là-haut. Ils sont où les guerriers? Ils sont là, de toute façon ils servent à rien, vous le savez très bien. Bah écoutez, oh c'est joli. Oh. Tu vois, ça fait pas partie de la mission. Attendez. C'est jamais hein. Non. Allez. Ah bah pas mal là. On a une belle vue. Alors. Il me manque encore une personne je crois là à scanner. Imaginez j'arrive à voler la cargaison sans tuer personne. Ce serait insane. Ce serait insane. Ok. Ok. Ok, bon bah c'est parti hein. C'est parti mon Kikos. T'es la première à crever salope hein. Elle a tout fait capoute. Allez les guerriers, on y va. Ça c'est pour vous. Voilà. C'est terminé les gars. À l'attaque! Attends. C'est quoi, je vais voler la cargaison. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser par ici. Voilà! Ça c'est réglé. Waouh! Il était si vif! Bien joué, Guerrios. Bah oui, mais bon, pourquoi t'envoies une grenade, toi aussi? Complètement conne. Attendez, il y a Honoré l'idole et il y a une caisse à récupérer aussi. J'avais pas fait attention. Ça se passe où? Ça se passe. Ça se passe où? Ça se passe là. Merci, Olwas. Et là-haut, une petite caisse à récupérer. Merci bien. Muchas. Gracias. Ok. Botte infugée. Inifugée, pardon. Allez, direction la dernière chasse au trésor pour cet épisode. Et je pense que dans le prochain... Ah, en fait, ça m'embête. J'ai peur. Vous savez, j'ai peur. Si on fait la quête principale... Qu'est-ce qu'il y a? Si dans le prochain épisode, on fait la quête principale, j'ai peur qu'on arrive à la fin. Donc, vous savez ce qu'on va faire? Dans le prochain épisode, ok, on fait pas de chasse au trésor. Ok, on fait pas les histoires de Yara éclatées au sol, là. Par contre, on fera des bases DFND. Et dans l'épisode seulement d'après, et ben là, à ce moment-là, on continuera l'aventure officiellement. Et peut-être on arrivera sur la fin de la série. J'ai une nouvelle info pour moi. Largage aérien. Hein? Oh. Qu'est-ce qu'ils ont là? Un officier. Ça y est, ils ont envie d'attaquer. Oh, moi, j'ai rien demandé, hein. J'ai rien demandé, mais je vais quand même vous aider. Ah, par contre, là, je suis sacrément dans la merde. Je suis sacrément dans la merde. Voilà. Ah non, mais là, ça rigole pas. Allez, viens frérot. Faut l'aider là. Vas-y ma soeur. Ça va aller. Voilà, c'est fini. Bon bah tant qu'on y est, on va en profiter. Hop, pour récupérer un peu tout ça. Est-ce que tu ouvres un truc important? On va voir. Ah. J'ai posé une grille sur le trou d'accès au sanctuaire. Ah mais c'est par rapport à la chasse au trésor qui est là. Mais c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire du coup. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire, mais en même temps on a la clé, on a tout ça, donc venez on va... Allez, on change les plans, on va s'occuper de cette chasse au trésor là, hein. On va faire ça comme ça. Bon par contre là ici ils ont passé un mauvais quart d'heure hein.
L'équipe de sauvetage envoyée dans le tunnel a été déclarée perdue et ce site est condamné avec effet immédiat. Rapportez vos clés au bureau du site. Mais maintenant, c'est bon, j'ai les clés. Mimo a bossé. Je crois que c'est le farceur. Allez, voyons ce que t'as pour moi. Mais gros, j'ai les clés. Ah pardon. J'ai rien dit. Je commence à m'énerver. Allez, c'est parti. J'en ai marre de me faire électrocuter, je vais pas vous mentir, ça commence vraiment à bien faire. Bon bah j'ai encore les clés. C'est exactement les mêmes clés. Hein. Très bien. Bonsoir. Carajo, il y a aucune sécurité ici. Carajo. Comment je peux éteindre ce générateur? Ah. Ça va être fort embêtant ça. Comment on peut éteindre ce générateur? Bah ça se passe en haut. Aïe. Ça se passe en haut. Là, récupérer de l'essence. Voilà. Bam. Là, il n'y a plus d'électricité là. C'est fini. On peut y aller. Hop. Quel bonheur. Ok. Ça me rappelle vraiment les grottes. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Oula, il y a du rouge. Oula. Ça va mon frère? Ah ouais. Comment les gens pouvaient travailler dans ces conditions? C'est une bonne question. Le tunnel est temporairement fermé. Il y a forcément un moyen de bloquer ce gaz. Comme ça. Voilà. C'est un esprit qui fait ça là ou... Oh, oh mon dieu. Retrouver l'artefact. Mais attendez, mais c'est du coup la mission où il faut trouver les trois artefacts et tout. Mais c'est génial qu'on fasse ça. Non mais attendez, les gars, on est en train de faire une double mission sans s'en rendre compte. Et c'était la mission du tout début de cet épisode. Non attendez, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est incroyable. Par contre, il y a des esprits du coup, non? Oh, c'est magnifique. Bah voilà. Par contre, ça me paraît trop simple. Ça me paraît un peu trop simple. C'est magnifique. Mimo a bossé. Bah voilà. Au loin du vent, de la tromperie et de la chance. J'aurais bien besoin de toi. Mirage de Mimo a bossé. Oh putain, sa mère l'hypopète. Ouah, je me suis fait tellement peur. J'ai eu tellement peur si vous saviez. Et alors du coup, est-ce que ça veut dire, donc ce que je vous disais? Parce que si c'est ça, je suis un boss. Hein. Histoire de Yara. Bénédiction de la Triada, regardez. Rapporter les reliques. Mais c'est ça, non? Bah ouais. C'est bon, j'ai les trois. C'est les reliques. Je crois, hein. On va laisser ça en stand-by, là, pour... On va déjà ressortir. Ce sera pas mal. Enfin, on va continuer de... C'est magnifique. Waouh. Ok. Trop stylé. Ouais, rapporter les reliques à la grotte des Oluvas. Bah vas-y. Eh, c'était pas prévu. Mais on va enchaîner, du coup, là-dessus. Oh, on est sur l'île de départ. Oh, c'est incroyable. Et oui, les trois reliques, on les a fait en fait à travers des chasses au trésor, sans vraiment le faire exprès d'ailleurs. C'est ça ce qui est insane. Je trouve ça ouf, le fait qu'on fasse des choses sans le savoir, tu vois. Enfin, je trouve ça vraiment fascinant. Allez, on est parti. De retour sur l'île du début d'ailleurs, c'est assez sympa. Et c'est par ici. Souvenez-vous, hein, nous avons commencé l'aventure ici. Oh là là. C'était vraiment sympa. Alors là. Oh, c'était une salope. Ah, oh, je suis désolé, mais là. Là, c'était chaud. C'est par là, c'est ça? Oh là là, c'est effrayant. Oh là là. Grotte des Oluvas. Bonsoir. Oh là là. Je suis jamais allé là, moi. Ah, là-haut. Ok. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Voilà. Je vais vous reposer à votre place. Bam! Qu'est-ce qui se passe? Ah. Explorer la grotte des Oluvas. Oh mon dieu. Oui.
J'implore votre aide, Olouvas, aidez-moi. Ida, le père féroce, prête-moi ta lumière, ta passion, ton feu purificateur. Oku, merle de la lune, apaise mon cœur meurtri de tes larmes et aide-moi à trouver le repos dans les ténèbres. Mimo Abosi, le sournois, ne me laisse pas m'égarer dans la jungle, guide-moi vers la sécurité avec ton rire. Vous êtes Yara, je suis moi, nous sommes Yara, vous êtes nous. Et on a un bracelet. Non mais les gars, c'est un jeu d'horreur ou quoi? Cognon, c'était vrai. Tout était vrai. Ouah, mais c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Ça, est-ce que ça existe dans la vraie vie ça les amis? Dites-moi là. Ces machins là. Moi je trouve ça incroyable, je veux ça dans ma chambre. Gracias. What? Mais ça parlait pas d'une sorte de gardien. On a un nouveau Supremo qui est incroyable. Non. Oh non. Et une nouvelle arme aussi. Non mais arrêtez. Merde. Comment t'as fait ça? Je dois garder mes distances. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est toi qui m'as sauté dessus. Tu te souviens? C'est incroyable. Tu me pardonnes, c'est bon? Ça va? J'ai un nouvel amigo. Les félins, c'est pas mon truc. J'ai un nouvel amigo. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok. Ok. Juan, j'ai trouvé un nouveau Supremo. Personne trouve un Supremo de Juan Cortés comme ça, Dani. Il ressemble à quoi? Un fusil en bois avec des runes. Et un crâne d'animal sur le sac à dos. C'est pas le mien. Quelqu'un essaye de m'arnaquer. Retrouve cet escroc et dis-lui qu'il a intérêt de se trouver un avocat et apporter un putain de slip blindé. Bonne chance pour le procès. Ah mais attendez, mais c'est insane ce qui se passe là. Ah et par contre je pensais que l'arme allait rester avec des munitions illimitées. Je suis un peu déçu. C'est incroyable. Alors, cet épisode finalement est formidable. Alors c'est un peu dommage que ce soit à la fin de l'aventure parce que forcément... Bah voilà, c'est que maintenant que... Mais c'est pas grave, on aura de quoi s'amuser. J'ai un nouveau Supremo de discrétion. Donc ce Supremo visiblement permet... Bah attendez. Attendez, ce sera tout simplement expliqué. Pour être sûr. Invoquer le pouvoir des Olouvas pour marquer les ennemis à couvert et combinez-le avec le fusil, la Varita, pour tirer à travers les murs. Oh! La Varita, c'est ça? Ouais, donc ça, cette arme-là, qui d'ailleurs a remplacé mon sniper, pas très gentil, je peux tirer à travers les murs avec ça, mais ça n'a aucun sens. Et en plus, j'ai un nouvel amigo aussi, hein. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Je ne sais pas. Mais on a un nouvel amigo. Et ça, c'est insane. Pourquoi je peux pas le contrôler? Bon. Je crois qu'il veut pas... Comment on fait pour le contrôler? J'ai oublié comment on fait. Bref, en tout cas, il est là, il est magnifique. Waouh. C'est une gentille fille, ça. Oh. C'est incroyable. Alors ça, c'est incroyable. Hein. Vraiment... Bon gros matou. Oh là 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 là. Eh, je peux le caresser des heures, hein, je vous jure. Eh ben les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez kiffé cet épisode du fond du cœur. Mais oui. Et si c'est le cas, n'oubliez surtout pas le pouce bleu. Prochain épisode, on va faire... Bah ça tombe bien. On va faire la base des FND. Et on va faire ça avec cet amigo peut-être. On va faire les bases des FND. Et puis dans deux épisodes, on continuera l'aventure au sens propre du terme. Et ça va partir en cacahuète, tout simplement. Ça va ? T'es en train de prier. Eh bien voilà. Allez, à très vite les amis. Plein de bisous. Ciao tout le monde. Je ferai n'importe quoi. J'arrêterai de manger, je prierai, je mourrai même si ça peut la sauver. Fais-moi une pipe.